Georges, Georges, qu'est-ce que t'as foutu, putain? On avait un 3 et 4, Georges, dans le dernier tour! Il est sérieux! Je vais péter un plomb! Sens qui gagne devant Norris, Sens qui offre le DRS à Norris pour se protéger des Mercedes, c'est bien joué. Franchement, victoire de Sens devant Norris, donc Hamilton qui gratte la troisième place. Bon, après, il était sur la fin, il était plus rapide que Russell, hein, clairement. Mais alors, Georges, ah, non, 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 non. Quel débile! Vraiment, c'est inacceptable. Hein. Leclerc à la merci de Max sur la fin. Regardez ses chronos, il était en 41 presque. Il avait plus de pneus, le gars. Leclerc à l'agonie complet, quoi. Verstappen, bon, a remonté 5e grâce à la virtuelle safety car de fin. Là. Il a limité la casse, on va dire. 6e Gasly devant Piastri, qui est bien remonté au final. Perez dans les points, Lawson 9e, grâce notamment à George Russell. Magnussen qui remonte dans les points, 10e, incroyable. Albon 11 devant Joe Hülkenberg. Sargent Alonso. Quelle course de merde, Aston Martin aussi, hein, les fans d'Alonso. Je pense que vous devez pas être content parce que même lui, il a fait des erreurs. Même lui a fait des erreurs, pas que le team. Bon, Russell, lui, nul à chier, voilà. Bottas, Ocon, abandon pour Ocon, stratégie. Tsunoda abandon également à cause de Perez, je crois, il a pas été inquiété. Bon, écoutez, voilà. La course était, alors, elle était pas mal, mais pas hyper spectaculaire quand même. Mais la fin était pas mal, il y avait du suspense, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal quand même. Mieux que quand c'est Verstappen en tête, hein, qui a 20 secondes d'avance. Bon voilà, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Je vous laisse commenter.